L'interview expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage. Nous sommes à une semaine du Touquet. Et on nous vient, eh bien oui, de toute la France et le cas échéant même de Corse. Et c'est en compagnie de Monsieur Lefebvre, John. John, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, tout va bien. Alors, pourquoi effectivement traverser toute la France vraiment pour cette compétition qui est si particulière? Tout d'abord par passion. Ouais. Je roule depuis l'âge de 13 ans, j'en ai maintenant 44. Ouais. J'ai participé 12 fois au Touquet et beaucoup de courses de sable. J'ai une quarantaine de courses de sable à mon actif. Ouais. On est de Corse, ça fait 8 ans qu'on est en Corse et on était dans le nord avant, de Boulogne-sur-Mer tout exactement. Mmh. Et puis on a la famille ici et les amis. D'ailleurs, je fête mes 30 ans d'amitié avec José Pereira, ouais. Un visage bien connu du monde du motocross par chez nous. Fait. On a roulé toute notre enfance ensemble. Et voilà, il m'accueille les bras ouverts aujourd'hui à Lone Plage. Il s'occupe de la moto et de la course de vintage du Touquet de cette année. Pourquoi le sable par rapport à la terre? C'est vraiment une passion? C'est vraiment un axe de pilotage différent? Oui, moi j'ai du motocross, j'ai plusieurs titres en motocross et étant de Boulogne à 35 minutes de Lone Plage, on a beaucoup, très jeune, on est venu rouler dans le sable et commencer les premières compétitions. D'accord. Entre la FFM et l'UFOLEP, est-ce que vous avez effectivement une préférence? L'ambiance y est-elle différente? Les compétitions y sont-elles différentes? Puisque dans un premier temps, vous êtes parti sur l'UFOLEP et ensuite vous êtes venu en FFM. Oui, tout à fait. On a commencé par le commencement, c'est-à-dire une ligue moins difficile, oui. Où on a pu apprendre, évoluer et se connaître en tant que pilote et connaître d'autres courses, des échanges. Et après, on est parti pour des titres différents, avec plus de vitesse, plus de terrain, plus d'accessibilité au niveau échelon plus haut, quoi. C'est-à-dire le championnat de France, le junior. Cela veut dire effectivement qu'un pilote qui commence aujourd'hui, pour pouvoir monter progressivement, il est préférable de partir en UFOLEP et ensuite de venir en FFM pour monter progressivement effectivement dans les compétitions. Oui, tout à fait, je suis toujours d'accord avec ce commencement, même s'il doit vite basculer sur la FFM et les grandes courses et apprendre, mais pourquoi pas, ouais. Après, s'il veut directement partir en FFM, ouais. Libre à lui, mais bon. Les deux sont bien. Bon, il ne faut pas oublier qu'en 2001, vous avez fait 8e au Touquet. En 2008, lors de votre dernière compétition, on va dire professionnelle, vous faites 19e. Oui. Qu'est-ce qu'il manque pour arriver dans les 15 premiers? Est-ce que c'est la partie moto? Est-ce que c'est la partie physique? Ce qui manque en général à un pilote pour aller encore plus loin, c'est quoi? C'est un tout. C'est du matériel, du temps, beaucoup de sacrifices. Oui. Après, pour ma part, c'est sûr que niveau budget, on était assez restreint. Mmh. Je viens d'une famille modeste, donc après, je travaillais à côté, donc on faisait du mieux, du mieux qu'on pouvait. Pour vous, Kawasaki reste votre marque de prédilection? J'ai toujours aimé Kawasaki, mais les concessionnaires Kawasaki m'ont jamais soutenu. Ah bon? Donc j'ai toujours été chez les marques concurrentes, ouais. Comme Honda et Yamaha pendant beaucoup d'années. Et le cas échéant, pour vous, Kawasaki reste quand même la moto qui passe entre guillemets peut-être un peu plus facilement partout? Oui, parce que surtout sur maintenant que j'ai basculé en vintage du mon âge, ouais. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette moto mythique des années 90 et j'aime beaucoup cette moto. La compétition vintage au Touquet, pour vous, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que c'est pas un moyen de se faire plaisir par rapport à une compétition telle que celle du dimanche? Oui, tout à fait. Tout à fait. Surtout que maintenant, avec mon âge, on a plus rien à prouver. C'est juste du plaisir, du partage avec les amis, la famille qu'on retrouve dans le Nord. Et venir rouler avec une moto comme celle-ci sur la plage du Touquet en vintage, c'est avec un grand plaisir que je le fais. Le cas échéant en Corse, il y a effectivement des parcours de sable, un peu comme aujourd'hui à Lone Plage? Non, du tout. Non, il n'y a pas. Alors comment fait-on pour s'entraîner? C'est très compliqué, tout est privé, sur une loi du littoral, tout est fermé. Ouais. Donc on s'entraîne dans la terre, sur mon motoclub Saint-Antoine. Oui. Et on s'entraîne du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a, mais pas de sable pour la Corse. D'accord. C'est vraiment un manque? Tout à fait, parce que moi j'ai posé des congés pour venir une semaine ici avant le Touquet.
C'est mon premier entraînement à Lune Plage, dans le sable, avec cette moto, pour juste une semaine avant la course. Vous pensez que même en respectant l'environnement, en restant écologique, on devrait effectivement avoir plus d'ouverture sur des terrains de motocross sable? Oui, oui, je le pense vraiment, parce que de plus en plus, la France est le pays de l'interdit. Oui. Et c'est très compliqué pour nous, pilotes, et on a toujours protégé l'environnement. Ouais. Et je vois pas le mal qu'on fait à rouler un peu sur les terrains de sable, sur le bord de plage, où des plages devraient être adaptées, ou des portions de circuits fermés devraient être adaptées pour nous pilotes. En parlant côté écologique, la moto électrique, c'est quelque chose que vous avez déjà essayé, que vous envisagez pourquoi pas d'essayer? Non, non, c'est pas quelque chose qui me branche. Moi, pourquoi? Je suis plus à rouler sur une américaine en V8, oui, que rouler dans une Tesla. Pour moi, c'est, je suis pas de cette génération-là. Peut-être la nouvelle, les différemment, mais moi, personnellement, moi, on a besoin d'un moteur, d'entendre le bruit, exactement, d'avoir des sensations sur la moto. Exactement. Que l'on n'a pas systématiquement avec une moto électrique. Bien sûr, il n'y a pas de sensations, il n'y a plus de mythe, il n'y a plus de... C'est compliqué. Okay. Moi, pour moi, pour ma part, ce sera non. John, merci beaucoup. Bon, merci. Le cas échéant, on se retrouve sur la ligne de départ du Vintage. Ce sera vendredi prochain. Pour le temps, on s'attend effectivement à peu près le même temps qu'aujourd'hui. Je l'espère. À peu près le même temps qu'en Corse. On est un petit peu loin quand même. Ouais. On va essayer. Merci, John. 421. D'accord, assure. 121, ok. 400, avec une 421. Kawa, la belle Kawa qui est devant nous. Ok, merci John, merci, à bientôt. Merci beaucoup.